Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc l'évangile de ce dimanche est une parabole qui traite de la question du rapport à l'argent, au bien. Mais d'abord, peut-être n'est-il pas inutile, avant d'évoquer la parabole, de voir le contexte. En effet, Jésus cite cette parabole à partir d'une demande, la demande d'un homme qui dit « Demande à mon frère de partager mon bien. » Et Jésus refuse d'être l'arbitre entre l'homme et son frère pour des raisons d'héritage. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce refus ? C'est assez intéressant, me semble-t-il, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il y aurait des réponses évangéliques ou religieuses pour tout. Et qu'au fond, il y aurait une norme qui viendrait de Dieu et qui pourrait régir toute notre vie. Et au fond, ce que je trouve assez intéressant, c'est que là, Jésus leur dit, maintenant, il y a des histoires qui ne me concernent pas. Ça, c'est des histoires intra-humaines, c'est à hauteur d'homme. Vous allez voir le juge, vous allez voir les avocats, vous mettez d'accord les uns avec les autres. Mais finalement, moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Il me semble que, au fond, parce que nous arrivons de longs siècles de chrétienté, nous avons tendance à penser qu'il y aurait une réponse religieuse à toutes nos questions. Et il y a peut-être parfois des réponses simplement humaines, raisonnables, juridiques, un peu pragmatiques. Et que ça me fait. Alors souvent, on évoque sur la séparation du spirituel et du temporel le « rendez à César », ce qui appartient à César. Mais d'une certaine façon, c'est un peu l'illustration. Il y a des choses qui ne concernent pas Jésus, qui concernent le bon sens humain, le partage des choses. Donc vous êtes en train de dire que dans ce verset, il y aura presque une ébauche de laïcité avec une séparation entre le domaine du juridique et le domaine du religieux ? Oui, je pense que vraiment, il y a ça. Il y a cette idée qu'il y a des domaines qui ne sont pas sous la loi religieuse, mais qui sont bien sous la loi humaine. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'on doive se conduire n'importe comment. Parce que, je veux dire, un homme, une femme, reste avec un système de valeurs dans lequel, par exemple, il ne va pas écraser son frère. Alors, c'est amusant, hein, parce que, si je me souviens bien, par exemple, dans les béatitudes de Matthieu, il est dit « si tu vas au procès, mets-toi d'accord avant », etc. Donc, il y a quand même une sorte de conseil évangélique. Mais en l'occurrence, Jésus, lui, ne veut pas faire le juge dans cette affaire. Et il va quand même donner une indication sur la façon de procéder. C'est ça, parce que alors, donc, il soupçonne de dire derrière cette question d'argent, bon, régler ça avec les règles de droit juridique de l'époque, mais néanmoins, petit enseignement, veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc ça, c'est un peu quoi, l'enseignement qu'il tire de cette rencontre. Bon, je pense qu'il y a une forme d'opportunité, c'est-à-dire de dire, ben, en fait, il y a des règles, mais en même temps, ces règles-là, elles dépendent aussi d'une façon d'aborder la vie, dans laquelle, alors là, il y a un enseignement important qui est que la chair des hommes, leur réalité, vaut plus que leurs biens. Ce qui est à la fois une chose qu'on dit, mais qu'on ne met pas forcément très souvent en pratique. C'est-à-dire que Jésus dit, en gros, la justice, oui, mais méfiez-vous de l'avidité. Enfin, je dirais, il y a une espèce de oui, en tous les cas, il y a un conseil qui est de faire les choses selon la loi, en préservant
quelque chose, au fond, on y va supposer qu'on va préserver une forme de fraternité, une forme de... Parce qu'en fait, il va nous dire que ce n'est pas dans les biens que sont les choses importantes. Alors, il faut quand même se dire, souvenir que, au fond, le christianisme, de façon séculaire, a été, a eu une forme de une façon péjorative de regarder la richesse et l'argent, et que, en revanche, dans la Bible, dans le Premier Testament, l'homme riche, a priori, un homme comblé par Dieu. Il y a l'idée d'un bénéfice. Enfin, voilà, l'homme comblé, il est riche. Hein. C'est comme ça que commence l'histoire de Job. Job, il est comblé de richesse parce qu'il est béni par Dieu. On va y venir, mais juste enfin, à la parabole, mais juste à dire cette question de l'avidité, c'est que il y a quand même quelque part, et aujourd'hui encore, les questions d'héritage. De temps en temps, c'est par les familles. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très, à la fois c'est rapport à l'argent, c'est rapport aussi aux origines, aux racines. Moi, je me rappelle, j'avais un grand-père qui disait, quand on dit, ah tiens, dans cette famille, les gens s'entendent très bien. À ce moment-là, il disait, est-ce qu'ils ont hérité ? Donc, laissant entendre que parfois, aujourd'hui encore, l'héritage peut être un lieu de conflit. Oui, alors c'est vrai que les héritages sont souvent symboliques. Et oui. C'est que dans les héritages, hein, dire, comme dans les divorces, finalement, quand on n'arrive plus à se parler, on parle d'argent. Et quand on... Voilà, il me semble qu'il y a une sorte de transfert et que, au fond, celui qui, dans la famille, s'est senti peut-être moins aimé, moins qualifié, etc., va avoir une sorte de demande de reconnaissance dans l'héritage, comme entre les époux qui se séparent. Parfois, l'argent est une façon de raconter la dette qu'on a le sentiment d'éprouver à l'égard de l'autre. On parle beaucoup d'argent hein, dans l'Évangile. Et quoi, non. Et alors voilà. Donc alors maintenant pour reprendre sur ces questions d'héritage, donc non pas d'héritage, de rapport à l'argent justement. Donc Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait d'abondantes récoltes. Et alors comme vous le disiez tout à l'heure, dans le Premier Testament, les récoltes c'est plutôt un signe de bénédiction. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est mal chez cet homme ? Enfin, je veux dire, parce que cet homme se dit, je vais construire des greniers pour récolter mes récoltes. Là encore, construire des greniers, c'est pas mal d'avoir des greniers. Tant qu'avoir des récoltes, il ne faut pas les gâcher. Tout à fait. D'ailleurs, un des grands personnages de la Bible, qui est Joseph en Égypte, va être loué parce qu'il est prévoyant et qu'il va construire de très grands greniers en prévision des jours des vaches maigres. Et c'est comme ça qu'il devient le prestigieux ministre de Pharaon. Donc, là, en l'occurrence, ça n'est pas mal. Donc, en fait, il faut entendre pourquoi il le fait. Voilà. Parce que finalement, il le fait dans une volonté d'accaparement. C'est-à-dire pas en prévision de, au fond, le jour où on aura faim, où les gens auront faim. Mais l'idée, c'est de garder les choses, de les accaparer. D'ailleurs, hein, ça parcourt toute l'histoire, l'idée des accapareurs, hein, ceux qui gardent le blé. Ça a donné des tas de révoltes. Par exemple, dans la France du XVIIe et XVIIIe siècle, l'idée des accapareurs qui gardent le blé, c'est-à-dire qui vont empêcher qu'il y ait du pain pour les pauvres. Et puis en plus, qui spéculent. Qui spéculent, oui, bien sûr. C'est un grand leitmotiv. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on approche de ça, hein, de l'idée d'accaparer les choses pour avoir des réserves, peut-être pour pouvoir vendre à meilleur prix. Parce que si les récoltes sont bonnes chez lui, les récoltes sont bonnes ailleurs, donc le cours du blé n'est pas haut. Ouais. En revanche, s'il réussit à le conserver, il pourra le vendre à un prix bien supérieur quand le cours baissera. Et ces logiques-là sont déjà à l'œuvre au temps de Jésus. Voilà. Et puis, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait attiré mon attention en disant, finalement, quand on relie ce texte, qu'est-ce qu'on voit ? Je n'ai pas cette place. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai plus grand. J'y accueillerai tous mes blins. Et après, il dit, et je pourrai me dire, et en grec, le texte dit, et je dirai à mon âme. C'est-à-dire que l'interlocuteur de cet homme, c'est lui-même. Hein ? Quand il parle, la seule personne à qui il parle, c'est à son âme. Hein, je veux dire. Et donc, on peut aussi entendre derrière cette multiplicité de ces petits mots quelque chose qui est de l'ordre. Il n'y a pas de place pour les autres dans son histoire. Non, en effet. Hein, il n'y a pas de place pour les autres. Et je me rappelle, il y avait un apologue que j'avais bien aimé, qui m'arrivait de citer dans des prédications. C'est l'histoire d'un homme
qui libère un génie dans une bouteille. Le génie lui dit, ben, exauce tes vœux, tous les vœux que tu feras, je les exaucerai. Alors, l'homme demande un château, des grandes prairies, beaucoup de biens, une vaisselle en or. Et le génie lui dit, réfléchis bien, parce qu'une fois que ce sera fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux ? Eh ben, ce que j'ai demandé, je veux multiplier par 10, et puis que je vive éternellement. Le génie dit, c'est vraiment ce que tu veux ? Et l'homme dit oui, il dit, bon ben très bien, je t'exauce. Et l'homme se retrouve dans un grand château, avec de l'or, avec des biens et tout ça, mais il est seul. Et il a demandé d'être entouré d'autres. Et éternellement, la solitude, c'est un peu long quand même, je dirais, c'est dans l'éternité. Hein. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu ce qui arrive en disant, cet homme, son seul interlocuteur, c'est son âme. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien ça la chute que Jésus va proposer. Oui. Hein, c'est bien la dernière phrase, et bien là-dessus, ouais. Sur ouais. L'idée qu'en effet, il a gardé des choses et sans penser aux autres. Hein, oui. Alors, avant d'arriver à la dernière phrase, maintenant, la bascule de ce texte, c'est quand Dieu lui dit « C'est lui-même, ta vie te sera demandée. » Et là, donc, tout ce que tu as accumulé, à quoi ça sert? Et donc, ça introduit la fragilité de la vie, la précarité. Oui, une forme de vanité. Hein, c'est, ouais. Là, en l'occurrence, ouais. C'est... alors, c'est très étonnant parce que c'est... on va passer dans une forme de sagesse dans l'enseignement de Jésus, une sagesse qui est le carpe diem, c'est-à-dire l'idée de profiter de chaque jour parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le suivant. Et que finalement, pendant tout ce temps où il va démolir ses greniers, en construire d'autres, etc., il va être dans l'effort, dans le travail, parce que ce qu'il se promet, c'est de pouvoir se reposer après. Ouais, hein, ouais. Et au fond, il n'aura pas l'occasion de se reposer, puisqu'on va lui demander sa vie. Alors ça, de nos jours, c'est d'une actualité incroyable, parce que le nombre de gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, en se disant « un jour, j'aurai le temps », c'est-à-dire « ça viendra », et qui remettent à plus tard, c'est-à-dire « cette nuit même, on te redemande ta vie ». Là, il y a quelque chose qui parle à toutes les générations, qui parle à tout le monde. Et c'est la question aussi de la prise en compte de notre mortalité. Et que, en théorie, on sait qu'on est mortel, mais dans les faits, on l'oublie, on fait comme si on était immortel. Oui, je pense d'ailleurs que l'accumulation est souvent une façon de ne pas regarder cette réalité mortelle. Hein, voilà, il faut retenir les choses, c'est comme retenir les jours. C'est comme retenir le temps. C'est en fait ne pas vouloir voir le temps qui s'écoule et qui nous amène de toute façon, jusqu'à plus ample informé, nous mourrons tous cette nuit ou la prochaine. Et donc, il faut, ça pourrait être une grande sagesse de vie hein, de se demander chaque jour si on est à jour de sa vie. C'est un joli mot, à jour, être à jour. Hein. Et pas s'être promis des choses, c'est même s'être promis à soi-même, des choses qui n'adviendront pas. Voilà, et là vous avez raison, c'est qu'il y a quelque chose de très universel, ça, quelque chose de la sagesse, et que la méditation mortis, hein, la méditation de sa propre mort, donc c'est d'intégrer ça, nous aide à donner du poids et de l'épaisseur à chacune de nos journées. Et puis donc vous évoquiez tout à l'heure le dernier verset, là, enfin la chute de la parabole. Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Actualité de cette parabole. Alors c'est compliqué parce qu'être riche pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Au fond, je dirais nous-mêmes et nos contemporains, est-ce que nous savons ce que c'est qu'être riche pour Dieu ? Nous avons idée de ce que c'est qu'être riche pour les autres, avec ceux qui nous entourent, mais être riche pour Dieu, ça nous amène dans une autre dimension qui est sur la qualité de la relation que nous avons avec une forme de transcendance, c'est-à-dire est-ce qu'on a pris soin de notre âme, est-ce qu'on est entré en dialogue avec cette dimension plus grande que nous et que nous appelons Dieu, et qui est quelqu'un avec lequel on parle. Et la richesse, c'est ça, c'est la richesse de la conversation, que nous appelons aussi la prière. Voilà, est-ce que nous sommes riches d'une conversation avec Dieu, puisque précisément, lui, il se parlait à lui-même, il était en conversation avec lui-même. Et donc, effectivement, la parabole ne se termine pas en disant « tu n'as pas partagé avec les autres, mais tu n'as pas été riche pour Dieu ».
Et ça, c'est un vrai questionnement. Et donc, et là, c'est tout le décalage que Jésus, voilà, un homme veut partager son héritage, enfin, demande à Jésus de partager l'héritage, et finit, mais où est ta vraie richesse? Oui.